Yves Daloujamba, c'est président Fédération Haïtienne de football là et depuis l'année 2000 et ça fait 20 ans que l'en tête fédération. Dans jour qui se passé là, yo accusé lui de abus sexuel sous ti moun yo, sous ti mesdames yo, donc qui dans range Kade Bouker. C'est journal des Guardian qui te mette jour bagage ça à la une et tout le monde l'en définitivement parlé de lui. En Argentine, au Brésil, dans pays Roumanie, en Italie, en Allemagne, États-Unis, tout pays ça yo net en pile journal dans monde là parler de ça, donc son bagage a fait toller dans la presse internationale. C'est ça que je dis à nous vinn montrer réaction la presse internationale sous dossier Daloujamba et qui a fait ravage dans monde football. Bonjour à tout le monde, nous sommes Meyer Jalbert. Bienvenue sur la chaîne YouTube pour pas meilleur côté nous venons parler de tout ce qui a fait actualité dans le monde football là mes amis. Donc aujourd'hui là nous venons avec actualité nationale là mes amis, nous connaissons affaire Daloujamba qui a fait en pile parler en pile et surtout la presse internationale vraiment réagit avec bagaille ça nous une fois entendre qui ça la presse internationale lui-même dit. Avant nous arriver plus loin, sur mes travail nous a fait, mettez un like en bas vidéo pour travail la car arriver plus loin que possible. Pas oublier, c'est chaque jour nous venons avec tout ça qui a dominé actualité football là pour vous. Et pas oublier, si vous pas de quoi faire ça, il y a un bouton rouge qui est en bas vidéo pour abonner avec la chaîne YouTube. Cliquez sur lui pour abonner et surtout activer la notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous pourrons le mettre demain si Dieu veut sur actualité football là. Et surtout, nous pourrons mettre tout sur toute belle application à besoin sous téléphone. Pas oublier de faire un pile vidéo comme ça sur la chaîne YouTube. Là, vous pouvez chercher pour une application qui convenable pour téléphone pour là. On y a en aller avec tout journal là qui parlait des affaires dossier Daloujamba. Nous avons commencé dans le pays Brésil avec le journal GloboEsporte.com. Ou même qui habite dans le pays Brésil, nous connaissons que Globo, c'est un journal qui est vraiment populaire, c'est une télévision qui est vraiment populaire, pour ne pas dire télévision qui est plus populaire dans le pays Brésil. Eh bien, c'est lui-même qui te parle de bagarre ça en premier dans le pays Brésil. Jean Carabouala est président de la Fédération et football haïtien, accusé d'abuser sexuellement des mineurs. Donc c'est ça qu'il démettait à la une, mes amis, dans le journal Sport. Donc, il y a un bagarre qui vraiment fait en pile parler, en pile dans la presse internationale. Ça c'est pour pays Brésil. Pays Brésil pas gagné un seul journal qui te parle de ces deux journaux. Nous parlons avec Kounia Bahia.ba. Donc c'est journal ça lui-même qui n'a et grab dit ville Bahia dans état Bahia. Donc qui parlait de bagaille ça tout. Donc c'est même bagaille dossier et abus sexuel sous Timounio que Daloujamba lui-même t'a fait que nous même pas bailler. Nous pourquoi bailler opinion pas tout ça. Sous besoin des opinions qui était dans fin vidéo. Et toujours dans le pays Brésil, il y a un troisième journal qui s'est Terra lui-même qui parle de président de la fédération et haïtien accusé d'abuser des jeunes joueuses. Donc il y a les plus directs lui-même dans ce sens-là. Donc il parle des jeunes joueuses. Donc c'est sélection féminine. Donc il y a un bagage qui vraiment fait un pile parler en pile dans la présence des douleurs. Donc c'est trois journaux dans le pays Brésil qui parlent de ça. Puis nous allons aller avec l'autre pays. Dans le pays États-Unis, il y a New York Post lui-même qui parlait de bagages ça encore. Donc c'est un pile parler en pile qu'on a parlé dans la grande puissance. Là, c'est l'Amérique du Nord là, qui c'est États-Unis qui parlait de ça. Président et Fédération haïtienne de football là, lui-même a accusé d'abus sexuels sur des jeunes joueuses. Jean Carabouel là là. Donc c'est en pile l'autre journal qui réagit dans le pays États-Unis par exemple. Nous avons l'autre journal Access Sports Illustrated, même probablement qui est dans le pays États-Unis, qui parle de bagaille ça, que le président et la fédération haïtienne lui-même ont accusé d'abus sexuels sur des jeunes joueuses. Donc, à son bagaille là qui vraiment fait un pile parler en pile, même dans le pays États-Unis. Pour ne pas dire dans le reste du monde, dans son bagaille qui vraiment fait un pile tollé dans la presse. Nous avons un petit coup de pied en Afrique avec RFI Afrique Foot qui parle de bagaille ça. Toujours le président de la fédération de football accusé d'abus sexuels sur des joueuses. Avec son bagaille qui apprend le monde net, tout le continent au palais de lui. On a les Kounia en Europe avec journal Record lui-même qui est dans le pays Portugal. C'est un grand journal qui vraiment reconnaît dans le pays Portugal et qui parle de bagaille ça tout. On a nous parlé avec un journal Casio Web dans le pays italien qui parlait de dossier ça. Son dossier qui vraiment fait one monde là mes amis. Donc tout le monde a parlé de lui, tout le journal lui a parlé de lui. Son gros. C'est un gros tollé dans la presse là. Et il y a un Asport lui-même qui dans le pays italien qui parlait de bagaille ça. Jean Carabouela. Donc c'est une violence sexuelle sur des jeunes et président de la Fédération haïtienne Dadoua lui-même qui t'a fait. Donc il a accusé
et gagne en pile l'autre journal toujours dans pays Italie tant que Gazzetta dello Sport lui-même qui parlait des bagages ça Gazzetta dello Sport qui c'est un journal qui vraiment fameux dans pays Italie et surtout dans monde là donc tout le monde connaît le Gazzetta dello Sport et c'est un bagage qui vraiment gagne une grande répercussion j'en t'ai déjà et toujours dans pays Italie encore mes amis c'est calciomercato.com qui parlait de lui encore un bagage qui vraiment fait en pile parler en pile qui gagne une répercussion internationale débordée j'en capable garder là. De retour en Amérique du Sud, il y a un journal Olé lui-même dans le pays Argentine qui parlait de causer ça tout. Donc en pile parole, en pile Amérique du Sud, Amérique du Nord et Europe, Afrique. Et nous parlons dans le pays Inde avec le journal ça, mes amis. Juste en Inde, ben, ça a fait parler en pile. Et ça lui-même, c'est un journal dans le pays Indonésie qui parlait de bagaille ça toujours. Donc c'est vraiment monde la net qui parlait de ça. Et ça c'est un journal dans pays la Turquie lui-même qui parlait de même dossier ça mes amis son bagage qui vraiment fait le tour du monde j'en dis déjà et nous parler connait avec l'autre journal toujours par exemple ça c'est un journal dans pays Allemagne lui-même qui parlait de dossier ça Jean Carabre là son bagage qui fait le tour du monde donc nous pas prendre hérité à prendre tout journal honnête mais c'est vraiment en pile tout côté dans le monde nous capable yo parler de dossier ça de ce qui vraiment a fait en pile parler en pile mais tout journal ça yo donc yo reporté tout ça des Guardian lui-même l'été dit donc c'est eux même c'est des Guardian pour comme source pour capable servir pour capable parler de dossier ça. Kounya la on essaie faire une petite analyse sur lui nous pour aller comme un avocat d'adou avant après ça pour aller contre lui. On allait comme un avocat, on a fait avocat du diable. Si c'est ta vraie date où tu as fait ça, pour qui ça c'est Kounia par ça lui révéler. Ça fait un. Pour qui ça c'est les football noir a fait un petit levé pied là, c'est les ça tout bagage ça révéler. Ça fait deux. Et pour qui ça tout donc Dadou gagne tout temps ça dans tête fédération depuis 20 ans et pas qu'on gagne une plainte qui déposée pour lui légalement en Haïti. Pour t'a dit parce que bagage ça c'est en Haïti passé pour t'a dit que la justice t'a metté bouche dans cause là donc pas gagne aucun monde qui peut jamais déposer une plainte pour lui dans gens secret pas jamais kimbe en Haïti son bagage dans tout monde là secret pas jamais kimbe facile donc c'est pas kounya pour secret ça t'a arrêté fait tout temps ça et yo parler de 5 dernières années yo mais dans 5 dernières années pour qui ça pas gagne un monde du tout qui jamais refuser mais qui rebeller avec situation ça et puis pour capable déposer une plainte mais pour t'a un petit pas en pile c'est un journal juste et nous avons dit dans Royaume-Uni qui parlait du dossier ça. Kounya là on allait dans l'autre partie là qui c'est nous avons dit qu'on a nous pour monde qui fait accusation nous compte Dadou. Donc OK Dadou Jamba pour qui ça ou gagne 20 ans dans tête fédération ou pas jamais comme si nous avons dit quitter espace pour l'autre monde passer. Ça c'est premier bagage est-ce que on bagage couvre. Donc si c'est vrai et donc on allait avec un autre argument et dans dernière élection qui fait dans tête FHF là donc Dadou Jamba était seul cartel qui était paraît comme si c'est lui même encore qui a voté tête là encore pas de gain en opposition pas de gain aucun autre et qu'a dit et une autre commission qui était déposé candidature c'est seulement Dadou avec tête parle encore qui est allé dans et candidature là qui est allé comme candidat et pas même un club premier m'pa quand même te même 5 clubs dans première division qui t'ai voté Dadou Jamba. Donc c'est vraiment en pile parler en pile mes amis et surtout donc nous capable que mesdames pas jamais réagi avec accusation ça pas gain une joueuse qui t'a fait un live qui t'a fait un petit bout de vidéo pour moi on a parlé là oui donc pour qu'on gagne qui pas qu'on gagne une mesdames fait un petit bout de live ou bien un petit bout de vidéo pour porter support yo by Dadou Jamba d'une façon et pour te capable dire non c'est pas vrai ou du moins et ça pas qu'on parle vrai faut que nous donne accusation que au fait il dit que c'est une dame qui a travaillé dedans qui qu'on a rejoindre mesdames et dit mesdames comme ça donc on pourra sortir dans un champ et Dadou pas le voir aller barrer ça qu'on y a là et puis les monde commence à sentir mal à l'aise pour sortir dans un champ et puis il dit bon je Dadou Jamba pour parler ensemble avec lui ça c'est d'après accusation. Et puis les jeunes et puis monsieur ta soi-disant mandé pour coucher mesdames. Bon, j'en dis déjà donc nous prend défense d'une part parce que ça capable briver tout c'est parce que football nous on a fonti lever pied dans moment ça là et puis yo reste dans moment ça pour capable faire une façon pour dénigrer football là ou du moins c'est pour partir avec football là une façon pour déstabiliser football là ou du moins tout mes amis ça capable bien vrai fonder parce que nous pas aller faire avocat du diable. Et ça, si ça t'est arrivé, donc nous pensons que la justice haïtienne t'a supposé mettre bouche dans la cause et faire lumière sur le dossier ça.
C'est vrai que l'information ça va faire nous content, mais moi c'était un plaisir pour moi pour te porter vidéo ça pour nous parce que objectif nous c'est faire nous connaître qui ça qui a passé dans monde football là. Donc surtout semble avec qui a passé bon là car nous supposer connaître qui ça qui a passé mes amis. Donc c'était un plaisir pour tout et sous remettre travail nous à faire pas oublier avant aller mettre un like en bas vidéo et surtout sous pas de faire ça mes amis, sous faire joindre avec nous, n'a toujours bienvenue dans famille ça. Cliquez sur le bouton rouge en bas vidéo pour abonner et surtout activer cloche notification pour pas rater prochaine vidéo nous. Que t'as pour nous n'a la prochaine pour la vidéo. Que bon Dieu bénisse, pas oublier mes amis, tout le bagage ça que vous passez, c'est dans mon cas prêté, préparez dans mon autorisation qui est essentielle.